Bonjour à tous les amis, c'est Taichi, on est sur LTP, Minecraft, la Terre Promise, serveur modé, serveur DP Forts et Ethans. Non, il y a déjà eu deux vidéos sur la saison 1, je devais en faire d'autres et au final la saison du coup était déjà terminée, donc j'avais pas eu le temps de faire une petite actualisation de mes vidéos dessus à l'époque. Saison 2 lancée, je suis toujours membre. Malheureusement en fait il y a eu l'ouverture il y a une semaine et demie, deux semaines, ouais voilà à peu près. J'ai filmé l'ouverture sur mon autre ordinateur, là actuellement je suis sur mon ordinateur portable, et j'ai eu un petit souci de PC qui fait que pour l'instant il démarre pas, donc faut que je sauvegarde mes données pour le formater, etc. Donc j'ai pas les rush, le record de l'ouverture, donc j'ai quand même décidé de vous faire l'épisode 1 maintenant, et puis au pire je diffuserai quand j'aurai récupéré mes fichiers un petit peu ce qui s'est passé pendant l'ouverture, enfin je sais pas, je verrai bien. En tout cas on est actuellement sur le serveur Minecraft modé avec beaucoup de mods. On est au spawn là où on a atterri au départ, alors avec ici des portails vers des mondes minerais. Ici un petit truc pour remonter en haut. Le thème de la saison c'est Volcano Island. Et donc si on remonte, paf, j'ai pris le téléporteur hein. Hop, je suis en haut du volcan. Alors il y a un petit moulin, il y a des petits ponts, il y a des petits trucs sympas. Et voilà, c'est sympathique. Et c'est par là que je veux aller je crois. L'est, voilà c'est ça. Je me suis installé dans un petit coin avec Redix, Halls, Demetrio, des choses comme ça. Donc on va aller voir ça tout de suite. Ma petite maison est juste à côté. Alors j'ai déjà un petit peu, je suis en train de faire mes premières machines pour commencer à me développer. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour le moment. Là j'ai des petits minerais dans mon inventaire, vous allez voir pourquoi après. Je vais devoir les transformer en des trucs pour me crafter des items. Hop. Donc je descends le volcan. Hop là, désolé, j'ai des petits freezes. Hein, je record et du coup ça charge la map vu que je viens de faire une téléportation. Hop. Et puis bon, je suis quand même sur un ordinateur portable. On fait ce qu'on peut. Alors, le volcan est là et moi je suis juste ici, voilà, en bas du volcan, dans un petit coin. Là-bas, il y a la base de Redix. Et donc, on va arriver chez moi. Chez mon, pour l'instant, mon chez moi provisoire. Tac. Parce que je me suis mis dans un petit trou juste pour poser mes premières machines, faire mes premières ressources. Et après je vais déménager. Tac. Là j'ai chopé des ruches dans un village, donc je commence à faire des trucs avec des abeilles. Hop. Et donc là on a des petits champs, des coffres, des fours par là, là qui sont, on s'est mis à plusieurs par là. Et quand on rentre là, et bienvenue chez moi. Alors il y a mes petits coffres à ressources, un peu le bordel par-ci par-là. Hop. Voilà, pas mal de choses. Et là, aïe. Et là, il y a mes premières machines que je suis en train de faire avec ma source d'énergie. Donc j'ai utilisé des steam dynamo. Hein, ça utilise la vapeur d'eau pour qu'on fait chauffer avec du charbon dedans. Redstone Furnace, Alloy Smelter, Pulvériseur, tac, j'envoie mes ressources, mes minerais. Hop, qui passent là et qui vont fondre tout seul dans le pulvériseur pour faire la dust, enfin le pulvérisé d'iron qui se foutent dans le smelter pour doubler mon nombre de minerais. Ils vont se mettre là-dedans. Faudrait que je les retire d'ailleurs. Ah, un freeze. C'est bon, le freeze est fini. Ok, cool. Là j'ai du. IC2 du Industrial Craft là pour les mods, générateur, compresseur, parce qu'en fait là en fait l'objectif de cet épisode à peu près je pense ça va être de me crafter la nano suite qui est ici. Et donc j'ai fait du carbon plate. Alors c'est tout con à craft, enfin c'est tout con, fallait juste les ressources, mais en gros si on repart de la base, on fout du coal à cuire dans le pulvériseur pour avoir de la coal dust. Une fois qu'on a notre coal dust, on en met 4 ici, ça nous donne l'eurocarbone. Tac. Avec l'eurocarbone, on en met 2, ça nous donne du rocarbon mesh. Et le rocarbon mesh, je le fous dans le compresseur qui est ici pour avoir des carbon plates en fait. Dans mon compresseur qui est là, mais du coup j'avais besoin d'énergie avec mon générateur. Parce que c'est pas le même type d'énergie, là c'est du Under.io. Et du coup c'est pas compatible, donc là c'est avec des EU alors qu'ici c'est des RF. Je découvre un peu le modé, mais je m'y étais un peu fait sur la saison 1. Mais le souci c'est que sur la saison 1 j'avais plutôt bossé sur mécanisme.
et c'est Draconic Evolution, mais Mécanisme n'est pas présent sur cette saison, donc forcément tous les crafts que j'ai fait sur la saison 1, bah faut que j'apprenne des nouvelles choses, des crafts que j'avais pas forcément fait du coup. Mais je m'y retrouve parce qu'il y avait un peu d'Underio sur la saison 1, donc j'avais fait un peu ces trucs là déjà. Mais voilà, et Draconic Evolution, je m'y remettrai un peu plus tard parce que c'est une nouvelle mise à jour. Donc là j'ai fait ça et je vais devoir dériver mes minerais pour crafter tout ça là en utilisant du diam, c'est tout. Et donc comme j'ai ça, je vais aller vous montrer aussi, je me suis fait une quarry, on va aller au spawn pour vous montrer l'état de ma petite quarry qui mine tranquillement. Hop, c'est parti. Donc je suis revenu au spawn là, on va aller prendre le portail monde minage. Attention, ça va peut-être freeze, mais on va essayer. On va bien voir ce que ça donne. Et donc hop, voilà, c'est bon, pas de freeze au changement. Donc là on est dans le monde du minage. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'avec Redix, du coup on a mis un petit portal gun à un endroit pour aller plus loin dans le monde minage, pour pas miner dans l'endroit où, pas être au même endroit que tout le monde, et poser nos quarries. Et donc là on a notre petit repère, on prend notre pouf, notre portal gun, hop là c'est son trou de quarry qu'il avait fait, et là il y a le mien. Et donc ma quarry a miné, mais elle a pas terminé, attention ça charge la map là, elle doit pas avoir terminé, il y a de l'eau, mais elle doit pas avoir miné jusqu'en bas je crois. Tac, ouais. Donc, il y a pas mal de ressources là-dedans quand même. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais la remettre en route parce que là, je crois qu'elle tourne plus. Ouais, il y a plus d'énergie dedans, donc je vais prendre tout le charbon qu'elle a. Tac, et je vais le foutre là. Donc, mince, que je vous explique un peu comment ça fonctionne. Hop. Le charbon, je le mets dans le coffre, il passe dans les câbles qui sont ici, qui alimentent les Steam Dynamo, hop, ils se mettent là. En dessous, on a une node qui récupère l'eau, pouf, qui va dans les pipes, non pas dans les pipes, dans les Steam Dynamo, je confonds un peu tous les noms d'items encore, hein. Hop, et du coup, ça les fait chauffer, l'énergie là, paf, et ça part dans ma petite quarry qui est ici, et qui est active, et qui donc, je pense, est en train de miner de la cobble. Et qui va tomber sur des minerais. Je vais vider tout le charbon. Allez, voilà, super. Je vide tout le charbon. Et je le mets là pour alimenter ma quarry. Je voulais du bronze. Est-ce que j'en ai là-dedans du bronze? Gold or, silver or, nananana. Le bronze, il ressemble à quoi? Il n'y en a peut-être pas encore dans ce coffre-là. Et dans celui-là, est-ce qu'il y en a Iron, copper. Il n'y a pas de bronze. Si je trouve pas de bronze pour mon craft, j'irai voir chez Redix. Il pourra peut-être me dépanner. Parce que là, je voudrais du bronze. Je voudrais du lapis aussi. Ça, j'ai besoin de lapis. Donc, j'en prends. Uranium, yellowite. Ah, j'ai pas de bronze. Ah, peut-être qu'on en trouve. Peut-être que le bronze aussi, c'est peut-être un alliage. Je sais pas si on trouve du bronze comme ça, je crois. Hein. Je suis pas sûr. Je n'en suis pas certain. Enfin bref. Là, vous voyez du coup mon petit chez moi. Hop, je prends de la redstone. Je vais prendre du diams parce que je vais en avoir besoin. Tac, je vais prendre tout le diams. Ok. Voilà, donc ça mine tranquillement. Là il y a une poubelle qui trie les items pour pas que ça récupère la dirt, la stone, les trucs comme ça. Vraiment je veux que les trucs qui m'intéressent intéressant moi. La stone, si j'en veux je peux aller en miner ailleurs. Tac, donc là ça mine tranquillement. Voilà, elle travaille, c'est cool. Ça mine à ma place et au moins je reviens, j'ai plus qu'à chercher la minerai. Les minerais, il faut juste l'alimenter. Mais du coup bah, comme en minant elle mine du charbon, bah je récupère le charbon et je les fous dans le coffre et elle s'alimente automatiquement au final. C'est ça qui est plutôt cool avec ce système là d'énergie. Je pense que c'était une bonne idée. Merci Redix de m'avoir aidé. Hop, donc ça mine tranquillement, c'est un chunk entier jusqu'à la couche tout en bas. Hop, sur ce, je vais rentrer à ma base, organiser un peu mon inventaire pour faire mes crafts et voir ce qu'il me faut comme ressources exactement pour faire ce dont j'ai besoin. C'est parti.
Les gars, du coup, je suis un peu triste parce que je viens de vous enregistrer sur comment crafter une nanosuite armor, mais le fichier a crashé, a explosé, a planté au moment où j'ai coupé les records de cette séquence là. Donc en gros, j'ai crafté de la nanosuite body armor, mais je vais vous crafter un autre item pour que vous voyez le craft. C'est la même chose. J'ai dû aussi vous dire que j'avais réussi à faire du bronze. En fait, c'est tout con, faut juste du pulverized tin et du pulverized copper. Vous mettez les deux dans le même endroit et vous avez vos bronze dust. Et la bronze dust, vous la faites cuire dans un four tout simplement et vous avez des lingots de bronze après ici. Tac, une fois que j'ai mes lingots de bronze, je vais les mettre là. Donc pour crafter un item nano, c'est tout simple, hein. Il nous fallait du diams compressé. Donc en fait, j'ai foutu mon diams brut dans le pulvériseur. Ça m'a donné le diamond dust ici. Mon diamond dust, c'est tout con. Je prends de la redstone, je la mets comme ça en croix. Je fous ma diamond dust là. Ça me donne ceci, l'energium dust. Et l'énergium dust, on le met dans le compresseur juste ici. Ça va cuire. Ça va cuire. Et quand ça sera cuit, vous allez voir ce que ça va nous faire. C'est tout simple. Allez, allez mon petit coco. Allez, allez, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Ce qui nous donne un énergie cristal. De 1 million de... c'est pas mal. Hop, l'énergie cristal, et bien on le met dans la table de craft. Là on va faire le pantalon comme on a fait le plastron. Pantalon, tac, ça c'est cool. Voilà, nanosuite leggings. Ok, ça c'est fait. Donc j'ai les deux. Voilà, c'est tout bête. Alors en fait, je sais pas comment les recharger encore en EU. Il va falloir que je regarde. Ça doit être un petit item à craft tout con ou je sais pas trop. Ça peut se péter dans un des items que j'ai déjà. En tout cas, je regarderai ça sur comment les recharger. Je vais tout de suite aussi faire les bottes. Comme ça, il ne restera plus que le casque à faire. Tac. Et quand je saurai comment les recharger, ça sera cool. Parce que le casque est un petit peu plus complexe à faire. C'est, y a beaucoup de craft pour le faire. Si on regarde le casque, là, nanosuite helmet, faut une night vision Google. Et la night vision Google... compliqué à faire, il faut des advanced circuits, des electronic circuits. Enfin bref, c'est pour ça que j'avais plein de petits minerais dans mon inventaire pour aller craft tout ça. Donc la redstone pour l'instant, il me semble que je vais en garder juste un stack sur moi, ça devrait suffire. Tac, je vais tout ranger. Bon, je vais ranger un peu à la n'importe comment dans les coffres, mais c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Bon, je vais aller craft ça, on se retrouve après. Alors là, je viens de faire ce pattern là. Là, je suis pour continuer de crafter le casque. Toujours là, j'avance, hein, c'est très long. Donc là, on met du tin, du copper, l'électronique circuit qui se craft comme ça. Là, ce que je fais déjà tout à l'heure. Hop, là, il m'en faut deux de ça pour la suite. Donc j'en prends un. Et j'ai oublié de mettre ça. Deux. Une fois que j'en ai deux, si je me trompe pas, je fais. Ah mais j'en ai pas fait encore assez je crois. Ça et ça. Et au milieu, je sais plus ce que je mets. Qu'est-ce que je mets au milieu? Non, pas ça. Au milieu je mets merde, c'est pas ça que je voulais voir ça. Oh puis du copper. Hop, copper. Voilà, donc là j'en ai un. Et ça m'a coûté 4 trucs. Et il m'en faut 2 en fait. Ah ouais, il m'en fait le double. Ok, donc je vais devoir refaire de ça. Ok, bon bah le craft avance. Là j'ai fait toutes mes plates. Génial. Ok, c'est parti. Tac, alors ce que j'aime bien quand même. Je suis toujours en train de faire mon casque, mais avec le modé comme ça, c'est que même quand on connaît pas grand chose. Il suffit d'avoir, je sais pas, même tout seul, hein, ça peut se faire, mais un ou deux copains pour nous aider un petit peu à apprendre les bases. Et après, une fois qu'on a nos premières machines, en fait, on arrive à se développer tout seul. Bon, c'est plus long que quand on connaît bien et que on connaît les machines les plus optimales, les techniques pour se développer assez vite. Mais en attendant, c'est ce qui nous permet aussi d'apprendre un peu en étant un peu tout seul à créer nos propres machines. Là, je viens de créer un macérator pour macérer mes lapis pour une fois que j'ai mes petites graines, hop, les compresser en petites plaques.
Et du coup, en faisant ça, bah, petit à petit, je trouve moi-même comment crafter les items grâce à mes machines, quoi. Et c'est ça qui me fait un peu apprendre les mods. Alors là, du coup, j'ai crafté ça, les Advanced, j'ai crafté la Reinforced, le Luminator, ça va être super facile à faire. Je vais pouvoir le faire tout de suite, ça, c'est parti. On va faire ça. Je voulais prendre ça. Tac, ça, c'est bon, ça, c'est bon. On prend ça, on prend ça. Tac. Donc l'illuminateur, on a dit que c'était tac, tac, tac. Et j'ai oublié ce que je devais y mettre. J'oublie tout le temps le craft, hein. C'est dur de se souvenir de tout. Alors j'ai inversé. Ok, c'est ça le craft. Ok. Iron, 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 c'est là. Voilà, ça c'est cool. Hop, donc ça, j'ai l'illuminator. Ensuite, il me faut faire. Eh bien, il me reste plus que ça et ça à faire. Donc pour ça, eh bien, j'ai tout ce qu'il me faut aussi. Donc super. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend ça, on met ça là, là. On prend ça, on met ça là. On prend ça, on met ça là. J'ai déjà oublié ce qu'il fallait d'autre. Il faut ça, 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 et ça. Et ça. Bon, voilà, ça c'est fait. Et donc il nous reste plus qu'à crafter ceci. Tac, tac. Et Iron Plate. Voilà, ça c'est cool. Et ensuite, une fois que j'ai l'iron plate, il me faut de la glowstone. Est-ce que j'ai de la glowstone? Est-ce que j'ai de la glowstone? Je suis pas certain que j'ai de la. Je suis pas sûr d'en avoir de la glowstone. Glowstone, je vais aller en prendre chez Radix parce que j'en ai pas. Ok, petite ellipse et on revient. Tac, bon en fait la glowstone j'ai pas eu besoin d'aller la chercher trop loin parce qu'au final en fait j'en avais dans les coffres communs qui étaient juste ici que on avait ramené au départ. Hop, alors on a fait ça et je voulais mettre ça au milieu et ça c'est super. Est-ce que j'ai il me reste des rubber dans le coin? Non, je vais péter un petit arbre. Tac. Voilà, bah on va voir. J'ai pété ma hache. Super. Génial. Faudrait que je répare tout ça. Tac. Alors, Rubère. On va faire cuire le Rubère. Rubère. Eh bien, j'en avais cuit. Génial. Moi, je le reprends du coup. Et donc, on va pouvoir finaliser tout ça. Va vraiment falloir que je fasse du tri dans les coffres. Hop, on prend ça, 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 et ça. Et ensuite, on se met là, on fait chouk, 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 chouk. Et il me manque un truc que j'ai oublié. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah bah oui. C'est tout simplement ça. Et voilà les Night Vision Google. Génial, maintenant qu'on a ça, et ben on fait ça, ça, ça. Et on a le casque! Ouais! Bon, on va juste mettre l'armure pour le classe, mais si après pour la. Pour la faire, pour la recharger, il va me falloir. Il va falloir ceci, la MFSU. Et à craft, alors il faut un advanced circuit, une MFE, une advanced machine casing, 51 craft, 80 cristal, une lapis lazuli, diamant, énergie cristal. Ah, c'est pas si compliqué que ça à faire, mais il en faut quand même beaucoup. Donc, ouais, pour le recharger, ça va demander un petit peu de ressources quand même. Hop, on va juste la mettre sur nous pour avoir l'air beau. Voilà, ma première armure modée. Regardez comme je suis beau. Voilà, je suis bien, je l'ai faite. J'ai réussi mon objectif de l'épisode, je n'y croyais pas. On l'a faite l'armure, on l'a faite. C'est génial. Bon, maintenant, il faut la recharger parce que là, actuellement,
C'est pas grand chose. Redix. Voilà, bah, c'était cool. L'armure est faite. Ça fait beaucoup de craft quand même pour un seul item. Genre, le plastron, tout ça, c'est facile à craft. Mais les casques, c'est chiant. Je vais juste aller voir. Et avant, juste essayer de la. Je vais crafter le MFU moi-même. Et on va aller voir. Comme ça, vous allez voir la base de Redix. Hein. Ça va vous permettre de voir ce que fait Redix. Et on va aller voir chez lui s'il a pas une petite MFSU. Pour recharger l'armure. Comme ça, elle sera fonctionnelle. Ça m'évitera de me travailler encore en fer. Et puis vous, ça va vous permettre de voir un peu ce que fait Redix. Qui d'ailleurs, il me semble, fait des vidéos sur le serveur. Donc vous pouvez aller suivre sa progression. Lui, il s'y connaît très très bien en modé. Alors, c'est vraiment intéressant ce qu'il fait. Tac, là, on va voir l'entrée de sa base. Alors, les... Aston Clock, c'est pas ça, hein. Alors, la porte, on l'ouvre, on arrive ici, tac, on ouvre ici, là, et voilà. Et on descend, tac, on arrive dans son système. Tac, alors, où ça a changé ici? Maintenant, pour trouver une MFSU, ou je sais pas quoi là-dedans, ça va pas être facile. Bah elle est là. Et ça se recharge plus ou moins vite. Ça va, c'est assez rapide. Je sais pas ce que ça donne une fois que l'armure est rechargée entièrement. Bon voilà, je la recharge et puis après je la mets. Eh bien dis donc, c'est cool tout ça. On pourrait presque se faire un jetpack bientôt là en fait. Hein, si quand je regarde un petit peu tout ça là, ça pourrait se faire assez facilement. Hein, ça pourrait se faire. Ouais. Bref, si vous me regardez, ben j'ai. Voilà, ça y est, je suis dans ma belle armure. C'est quand même mieux, hein. J'ai. Ça correspond à une armure en diams en gros. Mais c'est électrique, ça se recharge, c'est incassable, quoi. C'est cool. Et bien sur ce, pour cet épisode, ça va être tout. Moi pour le prochain, je vais avoir des petites choses à faire comme ça. Et bien voilà, on a notre armure de fête, on a nos machines qui se font petit à petit. C'est cool, je suis content. Je comprends un peu comment ça marche. Et je m'amuse, c'est sympa, ça change, c'est différent le modé, ça fait du bien, c'est. Ça ajoute des petits trucs intéressants à faire, quoi, c'est rigolo. Bon, allez, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode de LTP. Hein, j'espère pouvoir vous mettre des rushs de l'ouverture un peu plus tard, quand même, histoire de vous montrer un peu comment ça s'est passé. C'est toujours intéressant de voir l'ouverture d'un serveur. Le serveur est privé, hein, je le redis, donc pas possible de le rejoindre. C'est comme ça. Désolé, c'est EP qui gère, mais faut pas aller lui demander parce que on est déjà bien cassé, quoi. On est assez. Enfin voilà, merci d'avoir suivi cet épisode et puis on se retrouvera plus tard pour une nouvelle vidéo sur LTP ou sur autre chose. Des bisous, bye!